Flop les gens, ici Zikino et je suis accompagné aujourd'hui de Cinobol. Flop les gens. Et on vous fait une. On va vous présenter Robotry. Donc Robotry qui est un jeu qui se joue plutôt à la manette. Les textes sont en français, sont tous traduits et c'est un jeu qui peut se jouer seul ou à plusieurs, plutôt en coop. Sachant qu'il y a deux modes de jeu, je vais essayer de penser à vous montrer le deuxième avant d'arrêter la vidéo. Le jeu est disponible sur Steam, sur Xbox et Switch, je crois. Au prix, en tout cas sur Steam, j'ai pas regardé ailleurs, mais le prix c'est 12,49€. Alors j'ai dit que c'est comment ça s'appelle la catégorie apprendre à marcher. Vous savez, c'est un peu les jeux comme Coop à l'époque en Flash, où en fait déjà faire avancer son personnage, c'est pas facile. Alors on va se mettre là, on met les sons du jeu. Et donc voilà, on est ici dans le lobby, dans le hub. Hub auquel on n'a pas accès tout de suite. En fait, on doit faire tout au final. Avant d'y avoir accès, on va faire un petit tour. Par contre, j'ai voulu remettre les manettes et puis il y avait eu des mises à jour. Ça fait longtemps que je les ai pas essayées. Mettre les manettes en bas à gauche. Et du coup, vu que ça fait longtemps, en fait, ça marche plus avec les mises à jour OBS. Faudra que je regarde. Donc ici, sur la gauche, nous avons la boutique antique. Où on peut acheter différents pots ou masques. Donc on voit que moi j'ai déjà l'antenne là qui est plutôt à droite. Et on peut avoir d'autres accessoires. Il y en a à gauche encore quelques-uns avec quelques petites références. Si tu me laisses passer, aïe aïe aïe. Voilà. Ouh là là. Bah change si tu veux. Je sais pas si tu peux l'enlever. Et il y a un déguisement, par exemple. Il y a un certain tête de champignon qui s'appelle One Up. Aucune référence ne sera manquée. Voilà. Et on peut monter à la corde. Et on peut monter à la corde et on voit que le shop a pas mal de choses. Il a l'air d'avoir pas mal de choses et surtout ça nous indique qu'il y a au moins 5 mondes. Et là-bas on peut voir aussi à droite qu'il y a des... Et ici il y en a d'autres. Hop là. Je suis allé tellement vite dans l'intro que je crois que j'ai pas dit tout. Du coup, je remercie aussi les jeux du signe pour m'avoir passé la clé. Enfin, on remercie les jeux du signe pour nous avoir passé une clé. Et en fait, et aussi Kitlin de Future Friends Game, donc l'éditeur du jeu, je crois, d'avoir proposé de demander la clé. Et j'ai aussi eu une clé de mon côté. Du coup, si vous êtes intéressé après avoir vu la découverte, vous pouvez laisser un message en commentaire. Et plus d'une semaine après la sortie de la vidéo, je pense qu'on pourra faire un tirage au sort avec tous les intéressés pour avoir le giveaway. Là, j'essaie de monter ici. Il y a l'air d'avoir des choses là-haut. Pas trop, mais on ira peut-être plus tard. Et là, à droite, donc on voit deux monnaies du jeu en haut à gauche. Je vous explique pas encore les déplacements et les niveaux, mais les gemmes, ça se trouve, c'est comme les pièces dans la plupart des jeux, ça se trouve de partout, c'est facile. Et c'est plus où il faut trouver un certain personnage qui est planqué. Je sais pas s'il est planqué dans tous les niveaux ou dans certains, mais il est planqué. Mais de venir ici
pour toi. Piste de décollage. Voilà. 5, 7, voilà. Ah, le même tourné. Donc bon, si on va quand même vous expliquer un peu, donc j'ai pas pu mettre les manettes, mais c'est pas si grave parce que tout joue au joystick et que si vous connaissez l'anglais, vous savez que R c'est droite, F c'est gauche. Donc vous voyez, moi j'ai le perso jaune d'ailleurs, Snowball le rouge rose. Donc vous voyez en fait comment on dirige les joysticks. Par exemple, là celui de gauche, je le mets vers le haut. Vous voyez que une pine vers le haut, pareil, je le mets vers le bas, une pine vers le bas. Et comme ça, ça me permet de même sauter, même à un pied, c'est faisable. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? Ils sont marrants. Ils sont marrants. Nous, ok, on a le droit de visiter des trucs, mais non, bon, bien, on redescend. C'est marqué piste de décollage. Au début, on nous a pas forcément à sortir notre première jambe. Donc voilà. Au début, on était, on n'a pas vu le hub jusqu'à maintenant. En fait, on vient de le découvrir, le hub. Donc on nous lâche entre guillemets dans le monde 1 avec la cinématique. On la verra sûrement à la fin, quand on verra l'autre mode de jeu. Et on nous enchaîne les niveaux où on a qu'une seule jambe. Jusqu'à un moment où on nous donne entre guillemets notre deuxième jambe et on peut avancer du coup avec nos deux jambes. Avec une jambe du coup on apprend déjà à sauter, à avancer, tout ça. Et après il y a le monde 2 qui on nous apprend les boutons, il faut ramener de l'électricité, tout ça. Et c'est ce personnage, non, c'est pas ce personnage. Mais vous voyez les gemmes bleues, on en voit de partout. C'est vraiment. Il y en a de partout. Voilà. Et donc, du coup, on vient de découvrir le monde 3. Donc, on se lance. Montez du jus de pomme. Vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a genre 11 niveaux dans le monde 1, 14 niveaux dans le monde 2. Donc, le jeu n'est pas avare en niveau. Bienvenue dans le comté du jus de pomme. Doit être là pour découvrir les produits régionaux. Il y a un saloon à l'arrière. Je peux ouvrir la porte en faisant tourner cette manivelle. Vas-y, essaye. Let's go. Presque sûr que si on revient, on peut monter. sur la porte. Coucou, coucou, t'as tout cassé. Bien le bonjour, je t'offrirai bien vert, mais notre jus de pomme n'a jamais été livré. Est-ce que tu peux voir quel est le problème, histoire qu'on soit de nouveau approvisionné? Bien sûr. Mission réussie. Et, moi, je pense que si on la refait... Ouais, bah, c'était pour nous apprendre la manivelle. En gros, et pour nous lancer le lore du monde 3, on va dire. Et je suis sûr que si on refait le niveau, on peut mettre la porte en diagonale et monter par-dessus et du coup avoir une puce rouge. Ce serait planqué des fois, je pense, dans des niveaux, dans des endroits un peu comme ça. Oui, oui. Coucou. Bonjour. Alors niveau jeu du genre, on ne vit pas dans un monde où il n'y a qu'un seul jeu, celui qu'on joue.
Niveau jeu du genre, il y a Ivro, mais qu'on n'a pas joué. Donc, les connaisseurs de Ivro, on peut pas vous dire si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est une bonne suite. On est là. On ne pourra pas vous dire ça. Les joueurs de quoi ben, c'est mieux parce que c'est pas, un clavier en QWERTY. D'avoir une manette, c'est logique. Alors, t'as oublié. Voilà. Mais arriver en haut, tu mélanges la tête. Ouais, tu peux, quand t'as le pied au sol, tu peux les remettre en neutre. Ça simplifie. Et là, mets le L vers le bas. Lâcher. Là, tu mets le R vers le haut, le L vers le bas. Ou tu fais un petit saut avec le L. Voilà. Je veux dire que t'étais souvent toi. Non, lui, il se baladait juste. C'est toi qui la grippe. Oui, mais il est sur mon passage. Ah bah là, par exemple, le bonhomme en haut à gauche, c'est clairement lui qui ramène la puce. Donc je danse avec un puce. Il faut aller où ? La gauche, mais... là-haut aussi. Voilà, c'est ces genres de moments où je suis pas forcément à l'aise, moi. Ouais. Voilà. Oh. Au sommet. C'est excitant après tout. Téléporte-moi, robot. Quatre phrases à chaque fois. Et chaque fois qu'il se téléporte, il nous donne une puce. Je sais pas si des fois il est planqué et des fois il est visible. Ou si il est juste des fois dur d'accès et des fois pas. Un petit défaut d'ailleurs, c'est quand le niveau est fini, même s'il y en a un qui est loin, on peut pas revisiter le niveau, on peut pas continuer. Donc si on active la zone de fin sans trop le vouloir, ben on est fini quoi. Bon, maintenant qu'on a accès au hub. Je vais balancer les pieds. Maintenant qu'on a accès au hub, c'est moins gênant. On peut refaire les niveaux comme on veut. Sauf que là, c'est tard. S'il retourne au hub. Mais voilà. Ouais. Le trou a l'air un peu trop là. C'était par-dessus. Ok, c'est bon. Je te laisse maniveler. Yes. Le début. Je pensais qu'il fallait que je fasse dans l'autre sens, mais ça va. Quoi qu'il arrive d'un côté. Et là, par exemple, il y a une chance sur deux que j'active la zone sans que tu sois venu. On s'en fout, mais tu le lâches là. Ouais. Peut-être faire deux petits sauts plus simples. Moi, tu m'as propulsé. Mais les sauts, c'est le pire chez moi. Voilà! Oh la chance que j'ai! Et je le trouvais presque plus maniable avec juste une jambe. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on a la deuxième jambe et puis ça fait un peu de poids, ça fait. Voilà, quand tu t'étends. Quand tu t'étends comme ça vers l'avant. Non. On se démêle. Quand tu t'étends vers l'avant, par exemple, sur la droite. Sur la gauche, enfin, si tu fais comme ça, tu reviens quand même en arrière, et si tu fais comme ça, tu vas vers l'avant. Là, tu l'avais laissé neutre en sortant de la plateforme. Et si tu avais fait ça, si tu avais fait ça, du coup, potentiellement, c'est plus simple de faire comme ça. Là, tu vois, j'ai un pied en l'air, et après, le deuxième, il saute avec un pied comme au début. C'est presque plus réglable. Ah ouais. Okay.
J'ai eu beaucoup de casse à la banque, alors je garde mon jus de pomme précieusement ici. Mieux vaut jeter un coup d'œil à la banque de jus si tu veux savoir ce drame. J'ai bugué sur le... Ouais. Alors bouge pas, je prends... Ah non. J'ai bougé. C'est-à-dire je prends appui sur toi. Ceci n'est pas une manette. Comme ça. Voilà. D'inverser ton pied ta tête par rapport à juste avant. Oui. Bisous, mais je crois que tu consignes. T'aurais peut-être dû y aller, hein. Oui, en plus, tu l'as pas mis au milieu. Si tu l'as mis au milieu, je l'ai. Y a pas d'excuse. Je pense que j'aurais pu, mais tu m'as facilité la phrase. Voilà. On a vu les cordes. On va voir ici un mécanisme qui tourne tout seul. On a vu les bois sur lesquels on peut s'accrocher. Bah ça, c'est le même genre de mécanisme de poignet qu'on avait avant. Apparemment, on va revenir à gauche. Il faut aller à gauche. Ah, non, il y a droite, rien. C'est la fin. Non, il y a rien. Je pensais que juste au-dessus du vidéo, il y aurait le... Là, je sais pas où il pourrait être le gars en... Le gars qui... Il n'avait pas l'air non plus. De poignée, mais... Ah ouais. Marque quoi, TRG fan. Je crois que je vais tomber. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. On va dire que c'était la même. Là, je suis venu sur cette falaise pour travailler sur mon jeu loin de tout. Je me demande bien pourquoi personne n'en a jamais entendu parler. Bien. Max. Je le crois que réussi à peu près, mais c'est aussi très confus dans la tête. Peut-être j'y arrive mieux quand je...
comme avec des vraies jambes. Ah. Voilà. Je pense qu'on peut essayer de passer à l'autre mode pour voir. Oh, il croit. Bim. Moi je dirais bien qu'on s'arrête là pour la. Ouais. Je dirais bien qu'on s'arrêterait là pour la vidéo découverte et qu'on irait voir. L'autre mode. Ah. Ah, c'est effectivement à droite, il y a plein de barils. Il y a la. Ouais, c'est plus long, le fait. Il y a de la gadou. Oh. Je crois que ça, c'était une des images que j'ai vues. Damned Void. Ah. Alors, je le mets juste là. Il a de la chance, ouais. Je lui en ai pas mis à l'eau, hein, mais il aurait pu. Il faut passer par en dessous. Je me suis accroché à toi. Oui, t'as un monte. Non. Mmh. Accroche-toi à gauche. Non. Bah si. Tu peux finir. Retourne au hub. Quoique c'était le menu principal, mais. Là, on voit le monde de 3. Je sais pas si on verrait la puce en mode pareil. Apparemment. Ouais. Oula! Je crois qu'on s'est fait spoil. Ça tourne. On dirait que le monde peut tourner. Bref, on va revenir sur le menu. Principal. Celui du. Et du coup, on avait vu le mode campagne. Bon, c'est le jeu. Avec quelques options. Voilà. Pas grand chose. Il y a le timer contre la montre. Mais, bon, on joue vraiment entre nous. Voilà. Mais potentiellement. Je pense qu'il y a des bonnes techniques speedrun où tu peux propulser de joueurs où tu peux propulser ton collègue très loin, peut-être en solo aussi. Et donc il y a le mode, donc campagne c'est celui qu'on a fait, le mode robot partagé. Il y a 3 sauvegardes. Et là on va comme ça, c'est ce qu'on avait fait là. On a testé très rapidement, on a supprimé la sauvegarde. Et c'est la même intro que le solo. Oh mince, il y a une série, je sais pourquoi. Très bien, voyons si tu es réparé. Appuie sur le bouton pour étendre ta jambe. Maintenant, essaie de déplacer la jambe avec le stick gauche. N'est-il pas. Et on peut jouer à 4 à ce match, je crois qu'on est passé rapidement dessus. J'ai l'air d'être suffisamment réparé, suivi et je pourrais t'aider à sortir.
au début, ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'on a qu'une jambe et du coup on est comme ça pendant pas combien de niveaux, mais quelques niveaux, vas-y avance un peu. Et on voit qu'on peut quand même très bien avancer, on n'a qu'une jambe. On se déplace plutôt bien. Quoi. Maintenant qu'on a deux jambes et deux cerveaux, ça devient vite la merde. Déjà deux jambes et un cerveau, c'est pas ouf. Oh cool, je me demande ce que c'est. J'aime. Oui. Ouais, j'ai. Ah, je pense à peu près en même temps que toi. Oui, mais je voulais faire tourner la tête. Attrape-toi. Donc c'est la première interaction avec. Très beau mystérieux. Oh, comment as-tu réussi à trouver ma cachette super secrète? Mes copains se cachent aussi, je me demande si tu es capable de tous les trouver. On a récupéré ces puces, elles devraient être utiles une fois de retour à Fab. Bon, je dois filer, téléporte-moi, robot. Donc je suppose. C'est juste le même jeu, la même campagne. Les mêmes niveaux, sauf que on a une jambe chacun. C'est un peu compliqué de vérifier sans finir. D'ailleurs, à gauche. Là, ils nous apprennent à sauter à une jambe, donc c'est clairement le niveau de la première campagne. Ah, tu vois, potentiellement. Hey. Attends, vas-y, mets normalement là. On se met par là. Hop. Un peu pas. Je voulais. En haut de la colline, quoi. Par là. Hop. Oui. Je suis pas sûr que ça soit plus énorme. Si je fais juste le saut et puis je vais peut-être faire la passion, l'équipage. Fallait venir vers moi du coup. Voilà. Je ne tiens pas en place. Et porte-moi, Rob. Donc ça, par exemple, c'est une puce qu'on n'avait pas eu. Pas noté. Là, du coup, le truc des sticks que je vous ai montré tout à l'heure, ça nous apprend. C'est même utilisé pour nous apprendre comment faire le saut, comment avancer, etc. dans le jeu. Le tuto s'en sert. Voilà. C'est quelque chose à raconter pour le jeu. Je crois qu'on est à gauche. Ouais, hein. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à chaque fois. Moi qui croyais qu'il n'y avait plus personne. Et voilà que tu débarques par ici. Et pourquoi? Il n'est pas forcément à gauche, je pense qu'il est dans tous les niveaux. Peut-être pas le tout premier, mais. J'ai l'impression que c'est plus facile. Ouais. Que ben on a qu'une jambe, on sait c'est laquelle. Peut-être si on avait une jambe entièrement bleue et l'autre entièrement rouge, une jaune, une toute rouge, on avait deux sticks et pas juste le curseur au bout du pied, peut-être que ça aiderait aussi. Pas sûr. Mais avoir qu'une seule jambe et puis savoir que l'autre est en bas, du coup nous, ben on est en haut, donc on fait des trucs différents. Voilà. Ou la même chose. Et là, c'est au bord de la porte de cul, ce n'est vraiment pas là pour moi. Déporte-moi. Oui, tu regardais pas ce que je faisais. Non, pas du tout. C'est
pas grave. Teleportation. Oh. Voilà les mondes 1. Là, on est encore au monde 1. On a toujours. Peut-être qu'on aura 4 pierres. Quoi, tu peux chevaucher le vent. Peut-être qu'on aura 4 pieds, mais c'est un peu long à. Waouh! Waouh! Là, c'est à gauche, monsieur. Ouh! Beaucoup d'accélères sont super bruyants, je ne m'entends même pas penser. Téléporte-moi! Oh. Oui. Prenez un peu là pour voir qu'on peut atteindre l'endroit où il nous donne une petite. Notre deuxième géant. Non, mais je sais même plus à quel niveau c'est. Du coup. Ah ouais, là c'était. Là c'était à droite, je crois, pour voir le monsieur. Ah, c'est trop tard. Non, vu qu'on a encore les pieds. Vas-y, bouge ton pied. Ouais. On pourrait remonter par là. Invite à refaire quoi, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à prendre tout de suite. Je pense que c'est là où est le sel du jeu. Sinon il est compliqué à comprendre comment on se déplace, mais il n'est pas extrêmement dur non plus. Mais dès qu'on a le challenge de faudrait rattraper tous les plus et tout, bah là ça devient moins facile. Cette plateforme pour prendre de l'élan, il faut que tu choisisses le bon moment pour sauter. Bonne chance. C'est là d'ailleurs qu'on allait jouer. Génial, tu y es presque. C'est super. Dans l'ascenseur et monte. Tu réagis bizarrement, mais tu devrais y arriver. De l'autre côté, devrait savoir comment les réparer. C'est vraiment sans danger. Ah, bravo. Doucement dans 3, 2, 1. Not so lonely legs. Tu connais? Oh, on se connaît? Non, je viens de débarquer. En tout cas, c'est bien que tu sois là parce que le système hyperspatial est complètement fiché. J'ai réussi à faire marcher le générateur, mais la ligne d'alimentation pouvait être réparée. Tu pourrais t'en occuper? Là, on rentre dans le monde 2. Essayons d'allumer ce. Très bien, suis la ligne d'alimentation et répare tous les problèmes que tu rencontreras. Je vais faire en sorte que cela en vaille la peine. Promis. Oui. Imagine si jamais on est à 4 joueurs et que chacun a 2 pattes. Ou que non. On devient réellement une araignée. Une araignée avec les 8 pattes qui font la même chose. Très bien, il est temps de s'entraîner à sauter. Je sais comment sauter. Malheureusement, c'est la loi. Et puis c'est tout. Contente-toi de faire comme le robot. Robot. C'est bien. Ouh, ça avait été 2 pieds pour sauter plus loin. Non, c'est gêné, on pourra y aller.
coup, on a vraiment plus que. On a 15. Et go! Parfait, tu sais parfaitement utiliser tes jambes. Même que c'est pas vrai. Parfaitement parfait. Le saut synchronisé, du coup il parlait de deux jambes. On aurait dû récupérer une deuxième jambe. Hein, ici. C'est parti. Mais ce n'est pas le cas. Non mais. On a la réponse. Checkpoint. Ah, tu peux franchir ce trou en effectuant un jeu. C'est pas un joli son, ça, c'est pas un joli son. On va pas y arriver. Ah. Déjà tout seul, j'y arrive pas alors. Là, faut que tu mettes les deux pieds comme ça. Et après, les deux. Sûr. À deux, on met comme ça. Et à trois, on met vers le bas. D'accord ? Non, j'ai pas. Là, il met les deux joysticks vers le haut à droite. Les deux joysticks vers en bas. Joli suicide. On sait que t'allais me suivre. Ouais, comme ça, sans 1, 2, 3, sans rien. Non, je suis rien du tout, moi. 1, 2, hop, et c'est pas la jolie comme ils disent, mais c'est excellent. Marche. Ah, bon, bah, je pense qu'on va, on va pouvoir arrêter la vidéo ici. On voit un petit. Il y a qu'à les puces là-haut à gauche. Oui, un dernier. Oui. Comme dirait grand-maman, bouge une jambe à la fois. Une jambe. Non, je bouge une jambe. On avait pas mal galéré. Ta jambe. On avait pas mal galéré parce que c'était le début. M'emmène vers là-bas. Putain, les machines à voyager dans le temps sont violettes. C'est vrai. Et porte-moi, robot. Wouhou. Fini. Donc voilà. Un petit jeu qui, où on avance bien, où on a du mal à lâcher la manette. D'un moment, ça fait beaucoup de niveaux, mais on se rend compte que ça fait beaucoup de niveaux quand on a avancé, donc c'est normal qu'on sature. C'est un jeu, hein. Enfin, moi, je sature pas mal de jeux. Donc voilà, moi, je pense qu'on va continuer au moins entre nous, si on va le continuer en live. Mais j'espère que cette découverte vous a plu, et à la prochaine. Bye.